Sportif d'élèves sur YouTube, je vous dis bonjour à tous pour une nouvelle vidéo, donc allez, on est parti. Le contact du sorceleur avec Hélène était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Syrie. Voilà, impeccable. Niveau 32, niveau 5. Ça, c'est l'histoire principale, voilà. Ça, c'est un peu trop haut. Moins vite. Du nerf, Ablette. Donc là, on est parti. C'est bien, Ablette. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Je n'ai pas fini mon verre. Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec deux épées. Hé, hey, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir deux épées? Hé, hey, les gars, peut-être bien qu'il planque deux queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Je traîne pas avec les étrangers.
Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mets-nous ton chemin. Désolé, je raconte rarement ma vie au premier crétin venu. Je rêve ou quoi? C'était une insulte, et une vraie. Dans ce cas, il va mourir. Sale petit merdeux. C'est tous morts. Il n'a même pas eu le temps de bouger. Quand le baron apprendra ce qui s'est passé ici, il mettra ce village à feu et à sang. On n'aura même pas le temps de dire que c'est un mutant qui a fait le coup. Il fait pas dans le détail, ça non. Où est Hendrik? Vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que le baron ne laissera pas ce crime impuni. Calmez-vous. Votre baron n'est pas stupide. Je doute sérieusement qu'il croira que les paysans du coin ont massacré ces hommes à coups de fourche. Dites-moi où est Hendrik. Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des Impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Oui, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Sortez par derrière. Il y a encore des hommes du baron au village. Ne vous en faites pas pour moi. Ben, je fais pas ça pour vous. Vous m'avez déjà causé assez d'ennuis comme ça. Putain, j'ai plus rien à manger. Oh bah j'ai crevé encore une fois. Comme d'habitude, tout le temps en train de crever ici. Dans ce jeu. L'air a quelque chose d'étrange, comme si on se trouvait dans une gare profonde par forte chaleur. Et cette brume.
Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini, perdu à jamais, gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrick. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrick hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. L'erreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non. Il ne comptait pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Il n'y a pas grand monde, celui-là. Je vais regarder dans son gilet. Dans son gilet. De toute façon, dès que tu fais de vite à droite, il n'y a personne. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère.
sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Intéressant. Un registre, paiement pour un sac de grains, montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellig et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit. Raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Plus vite. C'est tout ce que tu sais faire, saleté.
je vais vous finir comme un porc. Oran. Mauvaise idée. Qui va là? Allez, on est arrivé. Où est là? C'est pas tes oignons. J'ai à lui parler. Ouvrez cette porte. Pas moyen. On a appris ce qui s'est passé à l'auberge. Ouais, on laisse pas les gars comme toi entrer. C'est pas comme ça que je vais rentrer. Il faut que je trouve un autre moyen. Je devrais parler aux villageois. L'un d'eux aura peut-être assez de cran pour m'aider. Chose. Un vieillard fourbu qui ne panique pas en me voyant. Bonjour. Salut à vous. Les autres villageois ont tous détalé en me voyant. Pas vous. J'ai passé l'âge de détaler. Et puis, qu'est-ce que je risque? Une mort violente? Allez-y pour ce qui me reste à vivre. Quant à me dépecer, ça ne donnera rien. Vous vivez ici depuis longtemps? Mais... j'y suis né. Ça doit bien faire plus de 70 hivers. Vous devez connaître le coin par cœur. Pas mal. Écoutez, il faut que j'accède à cette forteresse. Puis-je y entrer sans passer par la grande porte? Vous pouvez, mais peu de gens savent comment. Si vous faisiez, disons, une petite offrande au petit vieux que je suis, je pourrais vous mettre sur la bonne voie. Parfait. Je n'ai guère envie de me prendre le bec avec les gardes. Quand le vieux seigneur régnait encore sur Perchefreux, le fils du forgeron fut porté disparu. Tout le village prit part aux recherches. Pas de chance. On finit par le retrouver dans la rivière. Une vraie tragédie. En quoi est-ce censé m'aider? Quelques jours plus tard, une servante retrouva le galurin du petit près du puits du château. Donc, soit il l'avait perdu là, soit il était tombé dans le puits. Bien raisonné. On a bâti un sanctuaire à l'endroit où le corps a été trouvé, au nord-ouest d'ici. M'étonnerait pas que vous trouviez un passage qui débouche pas loin de là. Où est-il, ce sanctuaire? Suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis continuez tout droit jusqu'au croisement. Prenez encore à droite. Et suivez le chemin sur la colline. C'est là que vous trouverez le sanctuaire. À droite, après le pont, et à droite au croisement. Merci du renseignement.
voilà le sanctuaire. Le passage ne doit pas être loin. Nous y voilà. Il va falloir se mouiller un peu. Fais peur cette merde. Mais je vois rien. Je vois rien du tout. Rien du tout. Il est pas si gros que ça le personnage quand même, il doit passer là.
Pâle de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Ah, notre défenseur des opprimés. Salutations. Les nouvelles vont vite. En effet. En apprenant que vous aviez trucidé mes hommes, j'ai songé à vous faire pendre. Ou fouetter, à tout le moins. Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupe-jarrets pouvait m'être utile. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Je sais qui vous êtes. Mais au vu du bain de sang que vous avez fait couler, j'imagine que vous avez quelque chose d'important en tête. Oui. Très bien. Parlons-en. Un détail. Tâchez de vous tenir cette fois-ci. Il me reste à décider de votre sort. Ce qui sera fait après notre discussion. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka ? Ah, la voilà. Un petit verre ? Pourquoi pas ? Voilà qui est parlé. Voyons. Voltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. La santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent ? À celle de ceux qui lèvent leur verre ? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les Fesmolles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les Fesmolles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. Dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Vélène ? C'est charmant ici. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non ? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des loups ou des bois l'avaient attaquée avant le village. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Elle a besoin d'aide. Tu peux venir ?
Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Je ne m'égare jamais. Si c'est vrai, qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Avec ton père, quand êtes-vous partie de la maison? Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Et plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? On fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non. Une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite... Petite ciguë et foie de loup.
Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir? Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin? Ventré à coups de griffes. Ce n'est pas l'œuvre des loups. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Bah là, on avance l'histoire. Là, on est avec Siri pour l'instant. Ça, c'est rare, ça, pour un grenier. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Mort. Mais que fait un cochon ici? Il doit y avoir un village ou une ferme dans le coin. Tu as peur? Et toi? Non. Moi non plus. Enfin, non, le bruit. Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Bon, oui, déjà mort le roi des loups. Eh bien, la raclée et la prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez,
Vous avez des bandages à la maison, de l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais monseigneur, il a le bras long, il vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Voilà. Qui crois-tu m'avoir amené, Manon? Ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime, alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Fous le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût? Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposé. D'accord. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et? Ah, la suite devra attendre. Je veux... Il faut que je la trouve. Vous comprenez? La moindre information est cruciale. Bien sûr que je comprends. Mais il se trouve que, de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance? Quelles sont mes garanties? Il faudra vous contenter de ma parole. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien... Je me suis réveillé un beau matin, et elles n'étaient plus là. Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Vélène se résume à des marécages et à un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Toute jeune, ma fille. Hop. Il a donné les animaux.
remarqua une tête de cerf empaillée au fond. Savez-vous ce qu'elle demanda, alors ? Aucune idée. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Votre Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de ne rien appuyer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Un chandelier en bois. Cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Bon. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. De profondes fissures, faites par un objet lourd. Tiens, l'autre partie du chandelier, et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi ? Je crois que j'ai fait le tour. Fini de fouiner. Vous reconnaissez cette amulette ? Oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine ? Aucune. Quelque sorcière ou rebouteuse dans les parages ? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfuté, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose ? De lutte ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille.
La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par trois fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ? Ce doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au dépoivreau. Vos hommes se saoulent à l'air Vénus. Oh, la barbe ! C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse ? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. Nul, je comprends, il y a les trois comptes de Alain David, plus moi ton compte et que tu sois là, lol. Bah, et Alain David, il parle même pas, c'est un trou du cul. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Et là, il parle jamais, lui, on peut jamais ça. Il est sur l'homme, mais il parle pas. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. C'est pas ce temps leur garde. C'est cette amulette qui m'intéresse. Je me suis trompé de pièce. Aller faire pleurer le colosse. Pourquoi tu fais ça? En quoi puis-je vous aider? J'ai besoin d'une armure. Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles. Au revoir. Hé les gars, si on a laissé derrière cette bestiole. Un petit coup d'œil à nos articles. On s'est constitué une jolie petite collection. Pourquoi laisser de si belles choses moisir dans des huttes de Pecno? Montrez-moi ce que vous avez. Ah, la nourriture. Adieu. Buvons un coup, la nuit est presque tombée. Baron Médé. Qu'est-ce que je fais pour mériter ta paix?
Hop, on va continuer l'histoire. Au galop, Ablette. Mon garçon, ayez pitié d'une pauvre petite fille. La faim la rend. Aidez une vieille femme, par pitié. Qu'est-ce qui ne va pas? Des blasphémateurs, maudits soient-ils. Ils ont profané le sanctuaire sacré de Verna de la Miséricorde. Il faut réparer le sanctuaire, sinon Verna en prendra ombrage. Nos vaches dépériront, nos enfants seront couverts de verrues, et nos chiens attraperont la gale. Oh, la gale et des verrues. Tout ça m'a l'air dangereux. Très bien, je vais vous aider. J'ai fini. Ce sont les dieux qui vous envoient. Un homme solide pour réparer leur sanctuaire. Écoutez, ma petite dame. J'ai déjà un métier. Je suis sorceleur. Pas charpentier itinérant. Un sorceleur doit combattre le mal sous toutes ses formes. Et ces vandales sont pires que des bêtes. D'accord. Si je vois des sanctuaires endommagés, je m'en occuperai. C'est promis. Je n'en demande pas plus. Les dieux guideront vos pas. Là, au pas. On va faire ça tout de suite, ça va être fait comme ça. Tranquillement. Donc voilà. Je prends pas beaucoup dans le jeu, c'est ce que j'avais dit la fois. Mais bon.
Merde. Eh mais... Celui-ci aussi a été vandalisé. Ouais, j'ai pas fait beaucoup l'histoire principale encore aujourd'hui. Je fais tout et tout et n'importe quoi, mais tout ça fait l'histoire principale. C'est pas moi qui vais avancer l'histoire principale, lol. C'est vous qui détruisez les sanctuaires un peu partout dans Velaine. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? Nous sommes les visionnaires de la foudre. De lourdes gouttes qui tombent de la nue. Cette foudre s'appelle le surhumain. Les habitants disent que les dieux sont mécontents. Vous ne craignez pas leur colère? La colère des dieux? Mais les dieux sont morts! Il ne nous reste plus qu'à enterrer leurs cadavres pourrissants, vestiges faisandés de superstitions pernicieuses. Si ça vous chante. Mais d'abord, vous allez me nettoyer tout ça. Ensuite, vous rentrerez chez vous, enterrer tous les vestiges que vous voudrez. La religion est l'opium du peuple. Les dieux sont morts. Ainsi a parlé Maître Friedrich d'Oxenfurt. Le peuple ne craint pas les dieux, mais les prêtres. C'est cette peur qui nous entrave dans les chaînes de l'ignorance. Il ne tient qu'à nous de forger une moralité nouvelle, d'abandonner toute moralité. C'est vous qui voyez, mais à votre place, je ficherai le camp d'ici. Les Ghouls ne font pas de distinction. Prenez garde, car qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. Et le... l'abîme pénètre en lui. Ah, les étudiants. Mettre la main sur vos semblables.
En avant. Allez, on continue. On va faire la hutte du chaman. On va essayer de continuer, finir des... Je suis perdu dans mes quêtes. Regarde, je suis vraiment perdu. Je sais pas quelle quête je dois faire. C'est horrible d'être perdu comme ça. J'ai 5 quêtes en route en même temps. Lol. Oh, dont une que je peux pas faire maintenant, mais c'est normal. Mais bon. C'est bien, Ablette. Vous avez invité un ours à danser ou quoi? Je me bats pas beaucoup dans le jeu, moi. Qu'est-ce que tu veux? Parler au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. On pourrait s'entendre. Y a pas de marché qui tienne. Ce qu'on veut, nous, c'est se venger. Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines. Et il est couvert de pustules toutes dures. Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille, et je vous dis quoi faire pour Edric. Hé, hey, pour qui tu te prends? Pour un sorceleur. Un sorceleur? Vous entendez, les gars? Soit Velen grouille de sorceleur,
Soit c'est le fils de pute qui a massacré les nôtres à la croisée. Tous ensemble, allez. Ça marchera jamais. Oh, c'est dégueulasse. Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric. Ohé, y'a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Arrêtez. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. Conçu pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvre. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non! Non, et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu, perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre! Elle a filé! Ces types ont dû l'effaroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible! Pas de princesse? Aucune chance! Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse? Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonnez et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Ici, je crois. Un autre indice. Thank you.
Voilà. Et Biquette, je veux dire, princesse. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Je suis en train de ramener une super de jeu. Voir le chaman. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier ? Que j'agite cette clarine pour que tu suives. Ça marche. J'y arrive pas, ça m'énerve. Je vais abandonner le jeu, ça va aller plus vite. Mais putain! Ça va pas sonner! Putain! Par ici, Majesté.
Attention, un ours. Allez, cours, sale bête. Où te caches-tu? J'agite cette clarine pour que tu suives. Tu ne remplaceras jamais Ablett, mais je parie qu'on pourrait devenir potes. Tu possèdes cette qualité essentielle que toute ablette se doit d'avoir. Tu parles peu. Nulle part en vue. Laissez-moi me reposer. Princesse, ne t'éloigne plus de ton milieu. N'importe quoi. Une chèvre à moi. Gentille, douce, Biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira. Il dit chercher un rat chez pour lui. D'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance.
Un couvain. Loup blanc, loup sage. Attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. On y va. Et la personne qui retrouvera la fille du baron... Ben on retrouve la fille du baron. Ouais. Mais bon. Foudre à frapper. Le feu. Tu es en train de brûler. Oswin, où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge!
On a rêvé un héros parmi nous. Les chevaux. Oh, allez, je suis prêt à passer l'éponge sur la correction infligée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Elles ont le filet, hein? Loin de vous. Menteur! Il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Mais bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien! Je vous expliquerai peut-être un de ces jours. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandait à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas? Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Je dois l'admettre, j'ai une piètre opinion de vous. Pas parce que vous ne les contrôliez plus, mais parce que vous les avez chassés. Quoi? Ne faites pas l'idiot. Vous ne leur avez pas laissé le choix. Anna et moi, c'était pas comme ça paraissait. Très bien, je suis tout ouïe. Dites-moi ce qui s'est passé. Je veux la vérité cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Je n'avais plus rien, rien que la bouteille. Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite,
Ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Pas vraiment, non. Elle avait fait une fausse couche. Je suis même pas sur la quête principale, en fait. Du lit. C'est même pas la quête principale, c'est une des quêtes secondaires. Je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Mais bon, le problème, c'est que je mélange toutes les quêtes et je comprends rien à l'histoire, donc... Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, l'amulette qu'Anna portait doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue? Qu'avez-vous fait du bébé? Ce que j'en ai fait. Je suis allé l'enterrer. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Mais elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Reprenez-vous. Quand il craque, les hommes comme vous offrent un spectacle navrant. Quel salaud insensible vous êtes. Les mutations ont du bon. Mais j'ai une bonne nouvelle. Votre enfant morte peut nous aider à trouver celle qui vit toujours. Et votre femme. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais... comment sait-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction. Qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. C'est pas bête. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens. Qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. N'importe quoi, oui. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Vous avez donné un nom à l'enfant? Nom? Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée. Et vide. Ce qui signifie
que le couvain est lâché. Regardez. Prenez-le dans vos bras, vite. Mais s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Putain de Dieu! Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentré et prévenez-moi s'il s'agite. Je peux le calmer par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Dieu tout-puissant. C'est bestia. Retournons à la forteresse. Quoi ? Avec ça ? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Et merde. C'est quoi ce bébé ? Il est moche ! Mais que voulez-vous faire avec ça ? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. Quel nom lui aurait donné Anna ? Venez, il faut l'enterrer. Par la porte. Et maintenant ? Répétez après moi. Par la puissance de la terre. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien.
soutien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Déa, et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard, point final. Rentrez chez vous, et tâchez de ne plus vous saouler. Le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Ça se pose là. Mais ça vaut peut-être un coup d'œil. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie.
montrer autre chose. C'est tout ce que tu sais faire, Sadie. Ces ossements ne datent pas d'hier. La selle a été mordue. Nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Il manque un fer. Simple coïncidence. Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir ? Tête arrachée, ça nécessite une force immense. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante, qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. Il est là ? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire ? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche deux femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment ? Même de passage. La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien ? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman ? Tais-toi. Où est allée la fille ? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère.
à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi ? Il la battait, messieurs. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara ? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à deux pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque ? C'est comme... comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure ? Comme pour le bétail ? Oui, da. Sauf qu'elles étaient pas noircies en croûté. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite ? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, les grillons se sont tus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venue. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiquetée. Puis, l'a traînée dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mlle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a suppliée de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Pourquoi leur venir en aide ? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a 3 lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon, aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Merci pour votre aide. La gentille dame... elle va s'en sortir, pas vrai ? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Dea. Va en paix.
qui va trop loin. Putain d'averse. Ralentissons. Voilà. Vous vous souvenez de moi ? Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Sorceleur, un mot, s'il vous plaît. Je crois que nous n'avons pas été présentés. On m'appelle le sergent. Un souvenir de mon passé à l'armée, voyez-vous. Ça remonte à l'époque où Philippe, enfin je veux dire le baron, et moi-même servions sous la bannière témérienne. Je voulais vous poser une question. Qu'y a-t-il ? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir. Qu'avez-vous fait avec lui ? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est ? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre ? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ah, voilà. Vous voyez ces roses très bien, et violettes ? Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celles-ci, les nervurées. En Zerikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose ? Rentrons. Il commence à faire frais. Donc on va attendre les infos. Quelles sont les nouvelles ? Votre fille est à Ochsenfurt. Pas possible. Comment est-elle ? En bonne santé ? En sécurité ? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous ? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? L'avez-vous seulement vue ? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidé. Je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez, à titre d'encouragement, vous pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est ? Un sauf-conduit. Depuis que les Rédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontar, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censé les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna ? Du nouveau ? Rien pour le moment, mais je suis sur sa piste. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Que vous me parliez de Ciri, comme convenu. Soit. La parole donnée, une fois remise... Nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite là, une vraie perle. S'en prendre à un sanglier de cette taille,
C'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal, pas mal du tout. Mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée ? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris ? À Kaer Morhen. L'école des sorceleurs ? Mais je croyais que c'était réservé aux garçons. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, oui. Et ça fait de toi une sorceleuse ? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions, tu t'y connais ? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois, ça me gratouille un peu les... L'affaire, Migrin. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y'a plus personne. À cheval, vous valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Tu veux parier ? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? Et je veux voir ça. On parie quoi ? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies ? Non. Pourquoi pas, alors ? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne, ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait ! Et comment ? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Le jour se lève. Vous êtes prêt ? Toujours. Premier rendu à la tour. En selle. Allez, Ciri. Ne faites pas haut. On vous laisse cheval, oui ou non ? Oui, j'avais le même autrefois. Vous filez comme le vent, jeune fille. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce que... Vous n'êtes peut-être pas perdu. D'accord. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir, pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi ? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Je connais cette terre-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'y travaille. Et vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas.
Je retrouverai Anna. Je me demande bien ce qui a pu vous pousser à conclure un accord avec les Nilfgaardiens. Qu'est-ce que j'étais censé faire, hein? Leur sauter sur le rable et mourir en héros? J'emmerde les héros. Et j'emmerde la mort. Mieux vaut vivre en traître? D'ici peu, personne ne s'en souviendra. Il n'y a plus de Temeria. Il n'y a plus rien à trahir. La garnison Nilfgaardienne locale semble assez faiblarde. Et alors? Les massacrés jusqu'au dernier ne feraient qu'en attirer d'autres. Les escadrons noirs auraient tôt fait de mettre la région en coupe réglée. Aussi sûr qu'on a tous un trou du cul. Simple curiosité, comment avez-vous fini ici? Oh, cela n'a rien de secret. J'étais un soldat témérien. Mais mon unité a été anéantie dès le début des hostilités. Et nous avons vite perdu tout espoir de repousser l'ennemi. Nous nous sommes repliés vers le nord. Et avons été rejoints en route par d'autres déserteurs. Nos rangs ont grossi, comme une boule de neige dévalant une pente. Si bien que quand nous sommes arrivés à Perchefreux, j'étais à la tête d'une troupe conséquente. Et vous avez décidé de vous poser dans la place forte. L'avancée des Nilfgaardiens avait fait. Adieu. Grisant. T'as la tronche de quelqu'un qui sait aussi qu'il était hier soir. Allez, donc on va arrêter le level legend. Déjà, donc faut que je réparer l'épée le prochain, dans le prochain live. Donc on va arrêter le live là. Donc pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la plus.